Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous avez pu le constater dans le TV Guide de la semaine dernière, un reportage exclusif sur les tirages du Swiss Loto. Notre équipe a tenu à vous montrer non pas les coulisses du Swiss Loto, mais bien les coulisses des lotos un peu plus régionaux, c'est-à-dire le loto des bouseux. Le loto dans le Gros de Vau, un reportage de Philippe Bodin. À 8h du matin, Jean-Pierre Polofsky débarque dans son bureau. Après une bonne nuit de sommeil bien mérité, il continue son travail d'archivage. Il explique. Hey, salut la compagnie. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Polofsky. Moi je suis chargé donc de répertorier tous les prix des lotos du Gros de Vau. Je fais l'inventaire. Donc les prix, ça va des chaussures Repetto taille 8 pour un fin. Au panier de la ménagère avec tout plein de beaux fruits, des œufs. Et puis, cette année, alors on a vraiment un grand prix que personne n'a encore gagné. C'est la raquette de Jurt Brut. C'est un des premiers Suédois qui a gagné le tournoi Roland-Garros, c'est tennis. Bon, on n'a pas chopé la fourre avec, mais ça c'est du bon matos. Et puis on est content de l'offrir à nos collègues, amis du loto, hein. David Bensoussin nous explique en quoi consiste son métier. Ah bonjour, je vous avais pas vu. Ah ouais, je me présente, alors je suis David Bensoussin, je suis donc le huissier des lotos du Gros de Vau, ainsi que le comptable. Et c'est une tâche très importante car il y a beaucoup d'argent qui circule, et comme vous avez pu le constater, de beaux prix également. Je suis désolé, le temps c'est de l'argent. Monsieur Gaston, un des fidèles du métier. Le 48! Le 16! Ouais, bonjour. Ouais, bon, bah alors moi, c'est Gaston. Bon, ouais, bah en fait, moi, je suis chargé de... Je suis le gueuleur. C'est moi qui dis les numéros, donc pour l'auto. Bon, bah on se dit, c'est facile de dire les numéros. Mais c'est pas si facile, hein. Parce que, par exemple, là, tenez, j'ai le numéro 2. Il faut bien crier parce que sinon, il y en a, ils n'entendent pas hein, si on gueule pas. Alors, tu vois, je fais comme ça. Le 2! Et là, c'est une voix bien portante. Et puis, je pense que les gens, ils ont du plaisir à venir à nos lotos.